Salut, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. D'habitude les vidéos sont pour les amis, pour la famille. Aujourd'hui une vidéo plus orientée pour les voyageurs qui aimeraient venir comme nous en Argentine. Alors on va passer nos derniers jours en Argentine, ce pays qu'on a tant aimé, pour passer au Chili par le Paso de Jama à plus de 4200 mètres d'altitude. Je vous mets les images et on se retrouve après pour parler de ce pays merveilleux qu'est l'Argentine. Mais au fait, si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous c'est Nadia, Olivier, et avec nos deux enfants, on a décidé de quitter notre joli petit village au-dessus des nuages pour faire un grand voyage en famille. Ce matin, on se réveille à Pumamarca. On a dormi sur ce grand parking ici, avec les montagnes colorées derrière moi. C'est une étape vers les grandes salines de Jujuy, donc on est dans la région de Salta, parce qu'on se dirige vers le Chili. Donc là, on est à 2005. On va monter à 3005 pour les salines et passer le poste frontière à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est parti! Déjà, je ferme le gaz. On s'est trouvé une deuxième bouteille, histoire d'être tranquille. Normalement, on devrait pouvoir aller jusqu'au Pérou. On croise les doigts. Petit rituel tous les matins. Je démarre le camion, je ferme le gaz, je fais un petit tour du camion, je fais un petit nettoyage de la cabine. Pendant ce temps-là, Nadia est range derrière. mètres d'altitude. Nous sommes en train de passer le col pour aller aux Salinas Grandes. Et jusqu'ici, tout va bien. Elle est déchirée, elle me dit non, non, moi je sens rien, tu parles, 4100 mètres. Honnêtement, les capacités intellectuelles sont réduites. Ma capacité à respirer s'amoindrit. Regarde, on a des caramels à la coca. Ils nous donnent ça en bas pour nous faire croire que ça fait de l'effet pour pas avoir des mots MAUX. De mots d'altitude là, mais tout va bien, tout le monde va très bien. C'est juste si on sort et qu'on marche, on va être hyper essoufflé, patati patata, mais là tout va bien. En fait, les XTG ils sont venus ici, j'ai regardé une vidéo, les murs ils sont en sel, le guanaco là il est en sel. Normal, on est dans un petit truc de sel. Même là-bas, il y a un cactus de sel. Même la maison, elle est construite en sel. Bah oui. Est-ce que les gens, ils sont en sel? Peut-être oui. Que les gens, ils sont en sel. Je les mange. On va les lécher pour voir. Ouais. Des maisons qui sont faites avec des briques de sel. Celle-là aussi. Là. Il y a même un lama, comme disait Lou, ou un guanaco. Tout en briques de sel, puis c'est étendu à perte de vue sur les salines. Alors tu peux aller avec ton véhicule sur les salines, il faut repayer quelque chose, enfin il faut payer quelque chose pour rouler sur les salines. Est-ce que c'est intéressant d'aller mettre du sel sur le châssis du camion? Pas forcément, surtout qu'on n'a plus de drone. Viens, on va se promener déjà. Regarde les plaques de sel. Ah, c'est des plaques. T'as montré? Les plaques de sel là. Alors t'as léché? Non, ne lèche rien. Hein. C'est du sel qui est sale. Là t'as léché? Là, la baraque. Le lama? Non. Qu'est-ce que t'as léché? Les murs de prix. Hola, bon dia. Ça va? Ça va? C'est trop mignon. Ouais, c'est vraiment super mignon. Ah, oh, c'est trop mignon. On sent le petit là. Vous êtes assez esté, hein? Si. 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 Le deuxième. Ça va, regarde. Thank you.
Ce matin, réveil à 3500 mètres d'altitude. On est à 100 km de la frontière chilienne. C'est notre dernière journée en Argentine. Ce matin, on s'est réveillé. Ouh là là, ça caillait. On a de la glace. Là, ça commence à dégeler. Là. On avait de la glace à l'intérieur. Moins 6 au tableau de bord. J'essaye de démarrer le camion une fois, deux fois. Il démarre pas. Entre le manque d'oxygène et puis la qualité du diesel, du gasoil. Finalement, on l'entend là, qui est en train de ronronner. C'est gros soulagement quand même. Hein. Les enfants, vous avez eu froid cette nuit? Non, pas vraiment. T'as froid ou pas? Oui, là je suis gelée, du coup on fait un chocolat chaud. Voilà. Mais cette nuit, t'as pas eu froid cette nuit? Non. Voilà. Non, cette nuit, on n'a pas du tout eu froid. Pour toute la nuit, j'étais restée dans ma couverture. Ouais. Moi, je me suis réveillé ce matin en me disant, ils avaient annoncé moins 8. En fait, on n'a pas eu si froid que ça. Et en sortant du lit, je me dis, c'est quoi? Va quand même démarrer le camion, on sait jamais. Et puis, notre chauffage au gasoil, il est indiqué qu'il marche jusqu'à 2500 mètres et qu'au-delà, on perd, je crois, 10% ou 5% par 500 mètres jusqu'à 3005. Mais on a 3005 et vu comment le camion démarre, ça sert à rien d'essayer de démarrer le chauffage parce qu'il va s'encrasser, il va faire. Il va capoter. Du coup, chauffage au gaz. On a mis. On fait du café, on laisse tourner la flamme comme ça, et là, on va faire un petit chocolat chaud pour les enfants. Comme ça, tout le monde. Ça lui fait des bas. Allez, le soleil. Le soleil arrive gentiment. Il fait quand même moins 5. Allez, c'est parti pour la route avec la frontière. C'est des émotions un petit peu mélangées parce qu'on est très content d'aller au Chili. Mais en même temps, ça veut dire qu'on quitte l'Argentine. On y a un petit peu nos repères maintenant. On est un petit peu. Voilà, donc on va devoir tout réapprendre, un nouveau pays, nouvelle monnaie, nouvelle organisation. Allez, on y va. Waouh, là on arrive sur un grand plateau. On est littéralement en train de traverser la cordillère des Andes. C'est quand même incroyable, des fois on réalise ce qu'on est en train de faire. C'est fou. On traverse la cordillère des Andes. Le dernier poste frontière pour passer au Chili, au nord de l'Argentine, 4200 mètres. Et après le passage de frontière, on va continuer à monter jusqu'à 4008 avant de redescendre sur San Pedro de Atacama, qui est un petit peu le camp de base ou la ville à proximité du désert d'Atacama. Tous ces noms là font quand même un petit peu rêver, quoi. Là, c'est plus du sel qu'on voit à l'horizon, mais de la neige. Le sommet là-haut. Ah, je crois qu'on s'approche de la douane là, les amis. Hein. Sérieux? Attends. Ah, ouais. Ça devait être passé déjà là. Il y a de l'essence très chère, je crois. Et c'est reparti. Les femelles se sont arrêtées et se font face. Ils sauteraient sur leur patte arrière et s'envoient des coups de pelle. Leurs pattes avant sont des moulinets. Un vrai combat de boxe. Tu me remets tes chaussettes. Ah ouais, et là-bas c'est déjà le Chili. Hasta luego, señor. Attends. Il y a plein de. Et voilà, on a passé les douanes. On est entré au Chili. Ça s'est très bien passé. Ils sont venus, ils nous ont pris notre saucisson et notre miel. Comme d'hab, ils te prennent les trucs végétales. Enfin bon, voilà.
végétalien, d'origine végétale et animale. Ils ne prennent pas le lait, ils ne prennent pas le fromage, mais ils prennent le saucisson et le miel. Ils vont se faire un bon petit apéro cet après-midi. Il y a même une fille de la douane qui est arrivée, elle a dit « Attends, je voudrais visiter, c'est mon rêve et tout ». Franchement, ils sont trop drôles. Ça a mis une heure, ça a été hyper rapide. Et voilà. Donc on est officiellement au Chili, c'est trop cool. On dit au revoir à l'Argentine avec un pincement au cœur. On va s'arrêter après, on va faire un petit bilan de l'Argentine. Mais vous l'aurez déjà compris, c'est un pays qui va rester dans nos cœurs, dans nos mémoires pour très longtemps. Et voilà, on voyage, donc on avance, mais vraiment un super chouette pays. Alors, premier point qui intéresse beaucoup de gens, le shipping. Nous sommes passés par Seabridge. Il existe aussi d'autres compagnies comme IVSS. Ils ont tous à peu près les mêmes tarifs, mais pas forcément les mêmes routes. Pour le coût, en ce qui concerne le coût du transport, on a payé 3500 euros pour le fret à Seabridge par virement une fois que le camion était sur le bateau. Ensuite, on a payé environ 1000 dollars à l'arrivée à Seabridge qu'il faut payer en cash. Et on a fait appel au service d'Eduardo Kessler, un agent sur place qui a terminé les dernières formalités. L'un dans l'autre, ça nous a coûté environ 5000 euros, assurance comprise. On a récupéré notre véhicule à Montevideo, sans vol et sans dégâts, et c'est pas le cas de tout le monde. Après avoir récupéré notre camion, on est parti sur les routes direction Ushuaia par la route 3. Ben justement, les routes, elles sont comment ? On peut estimer que 80% des grandes routes en Argentine sont goudronnées. Seulement 20% seront ce qu'ils appellent en ripio, c'est-à-dire non revêtues, et souvent en tôle ondulée. Le réseau secondaire, lui, est souvent en ripio totalement. Ce qui fait que c'est un pays où on peut tout à fait venir sans 4x4, d'ailleurs le nôtre ne l'est pas, et on a rencontré beaucoup de familles qui sont en camping-car. Évidemment, le 4x4 permet d'accéder à des sites plus isolés, mais qui dit isolé veut dire aussi qu'on n'aura personne pour venir nous aider au cas où on va se tanker, quoi. À vous de voir. Par contre, comme les routes ne sont pas forcément de très bonne qualité, j'aurais deux conseils. Le premier, c'est de vous assurer que vos amortisseurs sont en bon état et pourquoi pas prendre des amortisseurs de rechange. Et le deuxième, c'est de vous assurer que la taille de pneus de votre véhicule est disponible dans le pays. Je vous envoie vers le site de Mercado Libre, qui est un petit peu entre le Amazon et le Bon Coin d'Argentine, même de toute l'Amérique du Sud. Et vous allez pouvoir vérifier la disponibilité de vos pneus et savoir si vous en prenez des neufs avant de partir ou bien si vous en prenez des supplémentaires avec vous, si jamais ils ne sont pas disponibles dans le pays. Ah, d'ailleurs, avant d'aller sur les routes, rentrer dans le pays, ça se passe comment ? Pour les résidents français, on a le droit à 90 jours gratuitement à l'arrivée dans le pays. On peut étendre ces 90 jours de deux manières. La première, en sortant vers un pays limitrophe. Mais si vous allez à Ushuaia, vous traverserez forcément le Chili et vous renouvellerez 3 mois de visa. La deuxième possibilité, c'est d'aller dans un bureau de la migration pour faire étendre votre visa pour 3 mois supplémentaires. Sachant que ça vous coûtera 20 euros par personne et beaucoup d'attentes, beaucoup de bureaucratie. Chose importante, le véhicule aussi va être importé temporairement dans le pays grâce à un type d'une validité de 8 mois. En préparant cette vidéo, on m'a beaucoup questionné sur la sécurité. Bon, pour notre part, nous, on s'est jamais senti en insécurité en Argentine. 16 000 km environ sur... Ouais, c'est un grand pays. 16 000 km en 5 mois. Et on a décidé, mais c'était vraiment un choix, qu'une dizaine de fois d'aller au camping. Mais c'était plus par confort qu'autre chose, pour avoir de l'eau ou etc. Bon, bien entendu, comme partout dans le monde, on suit les règles basiques de sécurité, c'est-à-dire que on laisse rien traîner visible, on n'a rien d'ostensible, de toute façon on porte pas de bijoux, on n'a pas de choses chères, voilà, donc on n'attire pas forcément l'attention, l'envie, ou on crée pas d'opportunités pour qu'il se passe quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vol en Argentine. Hein. Et pour savoir si les lieux sont plus ou moins sujets à des vols, on se réfère à iOverlander qui répertorie tous les vols, braquages ou incidents qui a pu y avoir par le passé.
Tiens d'ailleurs, iOverlander, on peut en parler une minute, c'est une application qu'on pourrait comparer à Park4Night, sauf qu'elle répertorie beaucoup plus de choses. Les endroits où on peut avoir de l'eau, où on peut faire des vidanges, où on peut trouver un mécanicien, les checkpoints de police, les endroits où il y a eu des problèmes, les routes en mauvais état. Enfin, il y a plein de sous-catégories qu'on peut mettre en filtre pour avoir des cartes suivant nos intérêts du moment, quoi. Bah d'ailleurs, on va parler ravitaillement, eau, gaz, etc. Comment ça se passe ? Bah en Argentine, ça se passe plutôt bien et c'est pas le cas de tous les pays, il faut le remarquer. Hein. On trouve facilement de l'eau, du gaz, tout ce qu'on a besoin. Les stations-service IPF qu'on trouve partout ici sont parfois un petit peu comme des oasis au milieu de la pampa. Quand tu viens te taper 200 km de pampa avec rien, il y a une IPF dans laquelle tu peux trouver de l'eau, du gasoil, du wifi, prendre ta douche, manger un sandwich, boire un café pour repartir sur les 300 prochains kilomètres de pampa en ligne droite, bien sûr. Concernant le gaz, j'ai sacrifié ma lyre pour pouvoir connecter mon système aux bouteilles d'origine en coupant le bout et en mettant une tétine du pays. À refaire, j'aurais pris une ou deux lyres supplémentaires pour pouvoir adapter suivant les pays qu'on va traverser en Amérique du Sud. Vous aurez certainement un meilleur pouvoir d'achat en Argentine qu'en France. Néanmoins, l'inflation est vraiment galopante ici. Hein. On parle de 4 à 5%, mais par mois, ce qui fait 55% d'inflation l'année dernière. Le gasoil en janvier est à 45 centimes du litre et est passé 5 mois plus tard à 75 centimes du litre. Alors ça reste pas cher, mais ça montre l'inflation. Pour cet exemple, il n'est pas que dû à l'inflation, mais aussi aux cours mondiaux, la guerre en Ukraine, si tu veux, tout ce qu'il y a, quoi. Ah, tiens, justement, on va parler du cours de l'argent. Il y a deux cours pour l'argent en Argentine. Il y a le cours officiel qui te donne pour 1 euro environ 120 pesos et le cours du Blue qui te donne lui pour 1 euro 220 pesos. Ça fait une vraie différence. Alors comment on accède au marché du Blue ? Soit on change de l'argent en espèces dans la rue, c'est pas notre choix. On a choisi la deuxième option, c'est de se faire à nous-mêmes des virements Western Union. On se faisait des virements de 400 euros maximum pour s'assurer que les bureaux dans lesquels on allait les retirer auraient les fonds nécessaires. En sachant que c'est plus facile dans les grandes villes que dans les petits bleds, ça c'est normal. L'Argentine est un très grand pays, on aura fait 16 000 km sur 5 mois et il nous reste beaucoup encore à découvrir. Beaucoup de diversité, de la pampa, de la montagne, l'océan, des glaciers, l'accès à ces merveilles, hein, vraiment. L'accès à ces sites sont pour la plupart protégés par des parcs nationaux. Parcs dans lesquels il est interdit de rentrer avec des animaux domestiques. C'est-à-dire chiens, chats, perroquets, désolé pour certains. On ne peut pas rentrer dans ces parcs. Pour les voyageurs qu'on rencontre qui ont des animaux de compagnie, ça représente des complexités de faire garder ces animaux. Donc mon conseil, si vous avez la possibilité de ne pas venir avec des animaux de compagnie, faites ce choix-là. Une chose qu'on a déjà abordée, c'est le prix des parcs nationaux. Le prix pour les locaux, les nationaux ou les étrangers n'est pas le même. Donc il faut le savoir. Ça reste des prix tout à fait accessibles, mais il y a quand même cette différence à prendre en compte. Bon, on est en ville aujourd'hui. J'espère que vous aurez pu entendre tout ce que j'avais à vous dire avec, entre les aboiements des chiens, les motos et les camions qui passent derrière. Vous l'aurez compris, nous, on a adoré l'Argentine. C'est pas un pays parfait, mais c'est quand même un pays où on a rencontré des gens formidables. Je ne ferai pas de généralité, mais mon ressenti sur notre expérience, c'est qu'on a trouvé des gens qui nous ont toujours débrouillés. On s'est embourbé, on a trouvé des gens pour nous aider. Quand on avait des soucis mécaniques, on a toujours trouvé des gens disposés à nous aider et nous aider tout de suite, pas dans deux semaines en prenant rendez-vous et en payant 100 balles de l'heure la main-d'œuvre. Hein. Je voudrais dire merci à l'Argentine, merci aux Argentins. Parce que la majorité des gens qu'on y a rencontrés se sont montrés bienveillants, aidants et accueillants. Donc j'y retournerai vraiment avec plaisir. La semaine prochaine, on sera au Chili, pas pour très longtemps, justement parce que c'est pas l'Argentine. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ah oui, j'allais oublier, le rapport au bruit en Argentine n'est pas le même que chez nous. Prenez des boules caisses si vous voulez bien dormir. Parce que le dodo, c'est sacré.